Viens vite. Reste avec moi, Kara. Le vaisseau... Argo City a disparu. Des millions de gens. Ce n'est que le début. Brainiac a déstabilisé le noyau de la planète. Krypton n'en a plus pour très longtemps. Mais toutes tes recherches, tu ne peux vraiment rien y faire. C'est pour ça que nous sommes là. C'est un vaisseau? C'est là-dessus que tu travaillais? Ton oncle Jor-El a découvert une planète où peuvent vivre les Kryptoniens, loin de Brainiac. Il a construit un vaisseau comme celui-ci pour ton cousin Kal. Mais Kal... ce n'est qu'un bébé. C'est pour ça que tu dois le protéger. Lui enseigner ce que tu sais. M'occuper de lui? Pourquoi pas toi? Non. Non. Non, je ne te laisserai pas. Je t'en prie. Non, ne fais pas ça. Je ne peux pas venir, mais tu ne seras jamais seule. Tu fais partie de la maison Elle, fondée sur l'espoir. Ne l'oublie jamais. Garde toujours espoir. Monte! Mon expérience en tant que justicier m'a appris une chose. Chaque malfaiteur est le héros de sa propre histoire. Cela vaut aussi pour Superman. Le Joker l'a drogué. Il l'a poussé à tuer sa femme Lois, qui était enceinte, et à faire exploser la bombe qui a dévasté Metropolis. Lorsque Superman a tué le Joker, j'ai compris pourquoi. Nous l'avons tous compris. Mais cet acte a marqué un tournant majeur. Aucun retour en arrière possible. Il s'est donné, ainsi qu'à la Ligue des Justiciers, une nouvelle mission. Arrêter le crime avant qu'il ne se produise. À n'importe quel prix. Mais il n'a pas réalisé que ses bonnes intentions allaient le mener sur la voie de la tyrannie. Et du mal. C'est ainsi que notre plus grand héros est devenu notre plus grand ennemi. Superman enlève des criminels d'Arkham, et après, c'est les pires d'entre tous. Il va les exécuter, Damian. Moi, j'appelle ça la justice. Tuer n'est pas la justice. Superman ne le voit pas. Il souffre. Il a besoin de temps. Et si ça avait été Gotham? Si le Joker m'avait tué moi, ton fils? Je savais que tu dirais ça. Ça répond pas, on nous ramène à la Batcave. Sois prêt à t'éjecter. De sommation, Cyborg? Je ne te blesserai que si je n'ai pas le choix. Tu n'auras pas le choix. Mes amis étaient à Metropolis, Batman. Starfire, Beast Boy, mort. On fait ça pour que ça n'arrive plus jamais. Je comprends ta colère. Mais ça ne te donne pas le droit de tuer. Et la Ligue des Justiciers n'est pas un escadron de la mort. Ah.
Tu vas pas me manquer. Je ne suis pas mort. Prends ta colère. Mais ça ne te donne pas le droit de tuer. Et la Ligue des Justiciers n'est pas un escadron de la mort. Toi que je vais enfermer cette fois. T'en fais pas pour moi. Je ne vois pas encore, mais Superman a tort. Tu manques d'entraînement au vol. Ouais, ça va. Merci de me le demander. Allons-y. Oh!
Tu veux pas tuer, mais les traumatismes cérébraux, ça te dérange pas. Sécurise les baies de chargement. Tu viens nous aider ? Oui, à vous éviter avec Clark de faire une énorme erreur. On n'avait pas vraiment le choix. Le Joker nous y a obligés. Metropolis a changé le monde. On doit changer avec lui. Pas comme ça. Après ce que tu as vécu, je pensais que tu comprendrais. Longue vie à Artemis. Où est-il ? Le bloc C. Tu ne peux pas lui tourner le dos. Il a besoin de toi. C'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Où est-ce qu'on va? J'irai nulle part tant qu'on me dira pas ce qui se passe. Retourne dans le rang. Vite! Minutes. Tu vaux mieux que ça, Clark. Ces détenus sont irrécupérables. Ce sont des voleurs, des violeurs, des assassins. Comme le Joker. Quand on se bat pour la vérité et la justice, c'est un combat sans fin. Et les exécutés vont y remédier ?
D'abord le Joker, maintenant eux. Jusqu'où ça ira? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de crime. Et que les gens puissent vivre en paix. On a le même but, Bruce. Je voulais tuer l'assassin de mes parents. J'aurais pu le faire. Mais ce n'est pas ce qu'ils auraient voulu. Et ce n'est pas ce que Loïs aurait voulu pour toi. Laisse-la en dehors de ça. Une grenade de soleil rouge? Pour t'affaiblir. Arrête. Prends le temps de faire ton deuil, avant qu'il soit trop tard. Tu ne le serais pas. Tu es censé être mon ami. C'est pour ça que je dois t'arrêter. C'est pour ça que je dois t'arrêter. Éloigne-toi de moi. Regarde qui j'ai trouvé. Peter Sass. Psychopathe. Combien de femmes est-ce que t'as tué? 121. 121.
Pour moi, il est irrécupérable. Robin, relâche-le! Tu préfères affronter tes amis que le véritable problème. Dernier avertissement, fils. Fils! C'est pas toi qui m'as élevé. C'est la Ligue des Assassins. Problème résolu. Ok, suivant. Bon sang, Damian! On ne franchit pas cette ligne! Alors reste de ton côté, Batman! Je préfère celui de Superman. On est en guerre contre ces monstres. Tu crois que tu vaux mieux que lui? T'as permis au Joker de continuer à tuer. T'as pas pu sauver ni Lois, ni Jason, ni personne. Ça suffit. Partons. Mais les prisonniers? Pas aujourd'hui. Superman est en prison, de même que Damian, mon propre fils. Mais surtout, nous ne devons pas oublier pourquoi ils sont là. Nous devons rester vigilants. Je croyais que le but était de rassurer les gens, Monsieur Wayne. Vous n'êtes pas seul dans la reconstruction de Gotham et de Metropolis. Mais nous devons convaincre vite. C'est pour ça que vous avez engagé ce cabinet de communication hors de prix. Convaincre les gens de revenir dans ces villes sera plus difficile s'ils ont peur que quelqu'un s'en prenne de nouveau à eux. Superman ne sortira jamais. J'ai été clair là-dessus. Mais Wonder Woman, Black Adam, Aquaman, ils sont toujours là quelque part. Et apparemment, ils sont hors d'atteinte. Je sais que vous avez construit l'œil pour parer à toute éventualité, mais le public l'ignore. L'œil doit rester un secret. Nos ennemis ne combattront pas quelque chose qui n'existe pas. Dans ce cas, suivez au moins un des conseils si chers payés de cette agence de communication. Lequel ? Soyez un peu moins Batman et un peu plus Playboy milliardaire. Montrez-vous plus dans la journée. Et surtout souriez. D'après les chiffres, les gens se sentent mieux quand vous souriez. C'est pour votre autre travail. Bruce, envisagez d'élargir votre cercle de confiance. Personne ne gagne seul. Pas même vous. Dans le genre espace d'accueil, ça laisse à désirer. Dina, Oliver, merci d'être venu si vite. Une chance qu'on ait trouvé une nounou. Mon arrière-grand-père a bâti les premières fondations de Gotham. Mais aujourd'hui, c'est la Batcave.
Et ça ici, c'est l'œil. On dirait l'œil de Sauron. Dispositif de surveillance ? Mieux que ça. Un dispositif de communication qui relie tous les satellites et serveurs de la planète. Il nous prévient en cas de danger et nous guide en cas de problème. Il doit falloir être un génie pour manier ça. Un génie ? Peut-être pas. Mais j'ai quand même un doctorat ! Dina ! Et son petit mari ? Vous en avez fait du chemin ! On peut dire ça, mais ça fait du bien de changer de décor. J'étais surprise que tu appelles, Bruce. J'avais l'impression que ça se passait bien. Alors qu'est-ce qu'il y a ? La chute du régime a laissé des vides dans la sécurité mondiale. On les comble comme on peut. Mais on manque d'effectifs. On est vulnérable. Arline, montre-leur ce que tu as trouvé. Okidoki. Gorilla Grodd, notre singe savant adoré. Il a monté son petit numéro de cirque, qu'il appelle la Société. D'après mon indicateur infiltré à Gorilla City, Grodd prépare un gros coup. Mais on ignore quoi, où et quand. Tout ce qu'on sait, c'est que l'épouvantail va livrer à Grodd tout un tas de gaz de terreur depuis sa planque à Slaughter Swamp. Gare aux moustiques. Heureusement que j'ai pris mon spray. Il faut que vous interceptiez le gaz avant qu'il n'arrive à Grodd. Tu ne veux pas nous accompagner ? Malheureusement, je ne peux pas quitter Gotham sans inquiéter la foule. T'en fais pas, Batou. Avec ces deux-là sur l'affaire, c'est comme si c'était fait. Je sais que je débarque, mais tu fais vraiment confiance à Harley ? Elle a changé depuis la mort du Joker. En partie. Peuvent pas aller plus vite ? J'ai pas envie que Gorilla Grodd m'arrache la tête parce que tes hommes sont lents. Ne t'en fais pas, Deadshot. Nous serons prêts pour l'attaque de demain. Demain ? Le vilain singe. Ça fait plaisir de te voir. Occupe-toi du chargement. Je vais voir ce qui se passe. Rockin ! Ça fait une éternité ! T'es venu arrêter ces gros nuls ? Jolie prise, Ivy. Rockin, t'es avec eux ? Ton cher Bruce était censé prendre soin de la sève. Au lieu de cela, il s'est contenté de restaurer les jungles de béton de Gotham et de Metropolis. De mon point de vue, il ne vaut pas beaucoup mieux que Superman. Si tu crois que tes nouveaux copains se préoccupent de la sève, c'est vraiment que t'es une courge. Grodd tiendra ses promesses, ou il sera ma prochaine victime. Oh, Rookin, pourquoi tu m'obliges à faire ça ? Laisse-moi te sortir de là, copine. On peut refaire équipe. Faire marcher les garçons, tu te souviens ? Comme au bon vieux temps. On s'amusait bien, mais je ne suis pas d'humeur à ça.
Je ne suis pas d'humeur à ça. C'est fini pour toi! Affronte tes peurs. Arrête! Ton truc, j'en ai déjà pris pour rigoler! Alors tu vas adorer ma nouvelle formule. Ce sera bientôt. Thank you.
sens que tu perds la tête. Bonjour, l'ami Grey. Ce n'est pas terminé. Déguise en super-héros qui joue dans la Batcave. Mais tu l'entends. Pas vrai ? J'entends quoi ? La vraie toi, cachée sous le plancher. Attends pour en sortir. Celle qui aurait égorgé tous ses copains. Quick ! Et que ça aurait fait mal. C'est Marley. Oh, Harley. Tu m'as toujours tellement déçu. Pourquoi j'insiste? C'est pas un faux parleur avec un costume pourri et un sourire bidon qui va me dire qui je suis. Entre nous, ça a été l'amour fou. Mais ça, c'était avant, Monsieur J.